gloire, merci. Selon les recommandations bibliques, Seigneur, nous voulons, Seigneur, c'est bien aimé, et plonger dans l'eau, Seigneur, en fait symbole d'engagement vis-à-vis de toi, Jésus-Christ. Nous voulons en ton nom détruire toute présence satanique et démoniaque au nom de Jésus-Christ. S'il y avait un esprit, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Et je vous demande de dégager et de nous imposer la seigneurie et la puissance de Jésus. Seigneur, merci. Voilà, on fait chanter un chant. Non, non, c'est que vous connaissez, tout le monde connaît. Moi, Seigneur Jésus, je te le vois de nouveau. Jéricho, Jéricho. Ok. Sur ce, nous te baptisons au nom du Père, du Fils, du Fils et du Saint Esprit et de tout avec nous. Alléluia. Juste engagement. Sur ce, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit et de tout avec nous. Au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu, nous libérons toute ta vie et maintenant même. Toutes les chaînes, la captivité, soient jamais détruites par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Et au travers de cet engagement, sois totalement libéré. Et la puissance de Jésus-Christ te libère. Allez-y, venez l'aider. Nous te baptisons dans le Père. Satanique et démoniaque sur ta vie, et nous proclamons ta délivrance en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, proclamons ta délivrance. Au nom de Jésus, que les chaînes de tort, les chaînes de la captivité, les chaînes de la stérilité, les chaînes de la sorcellerie, de la misère, et détruit au nom de Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ te libère en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sur ce, nous te baptisons au nom du Père. Amen. Proclamons ta délivrance au nom de Jésus. Nous proclamons ta délivrance. Proclamons ta délivrance au nom de Jésus. Venez, venez, venez. Toute ta vie à Jésus. Tu t'es pas baptisé. Venez. Mais elle est sur ce pas. Allez, nom de Jésus. Nous proclamons ta délivrance. Nous proclamons ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libéré et les chaînes sont à jamais brisées dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons ta délivrance au nom de Jésus. Nous proclamons ta délivrance. Oui, au nom de Jésus-Christ, nous mettons fin au règne du diable sur ta vie. Fin au règne du diable sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Aide-la, aide-la. Avec Jésus-Christ, toute ta vie. Puis nous te baptisons au nom du Père, du Fils, au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit et du Saint-Esprit. La puissance de Jésus. Nous brisons les chaînes. Nous brisons les chaînes de la captivité. Les chaînes de l'esclavage. Au nom de Jésus, à jamais, nous proclamons vaincu le royaume et le règne du diable sur ta vie. Nous proclamons vaincu le royaume et le règne du diable sur ta vie. Petit Dieu. Merci. La puissance de Jésus-Christ, la puissance de Dieu, cette puissance de Jésus te libère, oui, te libère, et tu appelles ce baptême, que tu expérimentes la puissance de Dieu, que tu expérimentes la bonté de Dieu, la semence du diable est vaincue à jamais de ta vie, le règne du diable est vaincu à jamais de ta vie, nous détruisons et anéantissons toutes les traces de l'ennemi dans ta vie, amen, et dans ta vie, Seigneur, nous te baptisons. Et du coup, c'est le Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Proclamons ta délivrance. Proclamons ta délivrance. Au nom de Jésus.
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le sang de Jésus proclame à jamais ta délivrance. Chasse à jamais la puissance du diable dans ta vie. Au nom de Jésus, nous proclamons ta délivrance. Au nom de Jésus, nous proclamons ta délivrance. Amen. Comme au nom de Jésus, allez, allez, nous chassons la présence du diable de ta vie. Nous détruisons à jamais la puissance de l'ennemi de ta vie au nom de Jésus. Nous proclamons vaincu le règne du diable sur ta vie. Nous proclamons vaincu le royaume des ténèbres. Et que le diable est vaincu à jamais et sur ta vie. La puissance de Dieu est désormais règne. Jésus règne sur ta vie. Jésus te bénit. Amen. Jésus, il veut toute ta vie. Sur ce, que va te donner la puissance de Dieu. Chantons et bénissons la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Et bénissons la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Te rendre toute la gloire, notre Dieu. Merci pour ce service de baptême. Et nous sommes convaincus que les chaînes ont été brisées. Nous sommes convaincus que le diable n'aura plus d'emprise sur sa vie. Nous sommes convaincus que ses bien-aimés, notre Dieu, oh Dieu, auront une vie de victoire sur le péché, sur les œuvres du diable. Merci Seigneur notre Dieu de les avoir sauvés. Merci parce que tu es notre salut. Merci Jésus-Christ, toi par lequel nous avons le salut. Éternel, la Bible déclare que Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qui est la vie éternelle. Merci, éternel notre Dieu, c'est bien-aimé, qui vient de prendre l'engagement au travers de ses eaux de baptême. Merci de les bénir, et nous sommes convaincus que toutes ces chaînes dont ces personnes étaient captives, la captivité satanique, démoniaque, la pauvreté, de la sorcellerie, vient de tomber dans le nom de Jésus, et nous voulons te bénir pour la victoire. Et Seigneur, notre Dieu, qui tu donnes à ses bien-aimés, sur le péché, sur le diable, sur la pauvreté, Seigneur, merci parce que c'est quelque chose de nouveau qui est maintenant semé en eux, la victoire et la sémence de Dieu. Au nom de Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Il s'agit maintenant de leader de l'église Pentecôte, authentique, compassion des âmes, Cisadivo. Voilà, donc nous venons de baptiser, finir un service de baptême. Baptême parce que c'est un engagement qu'un fidèle, enfin, un croyant, celui qui a cru en Jésus, prend devant les hommes et devant Dieu. Et c'est une recommandation biblique où Jésus a dit, allez faire des nations des disciples, quand dans Matthieu 28, à partir du 19, il dit, baptisez le nom du Père et du Fils et enseignez-les. Nous, l'Église Pentecôte, on n'a pas forcément besoin d'enseigner. Et puis baptiser, on baptise avant d'enseigner. Mais ce n'est pas mauvais aussi d'enseigner le baptême avant de baptiser. Donc, nous avons pour coutume, avant la fête de Pâques, de baptiser les gens. Donc, nous sommes en train de, dans cette tradition-là, nous sommes dans le mois de mars, bientôt c'est la fête de Pâques. Donc, nous avons décidé, n'est-ce pas, de baptiser les gens par la grâce de Dieu, ce que nous venons de faire. Et c'est à partir de là, maintenant que nous voyons un peu la croissance au niveau de l'Église, et que ces personnes-là, quand elles sont baptisées, nous les mettons dans le cahier de registre au niveau de l'Église pour dire qu'elles font partie désormais de l'Église. Voilà, donc c'est voilà, donc c'était vraiment important de voir ces personnes qui sont restées pendant un moment avec nous, suivre les enseignements de l'Église et tout ça, qui ont décidé de s'engager au travers des eaux de baptême, de marcher, de confirmer leur engagement vis-à-vis de Dieu. Voilà, donc nous venons de finir le baptême. Nous sommes une église pentecôtiste, nous croyons à la puissance de Dieu, nous croyons que le seul salut vient de Jésus. Voilà, donc le baptême ne sauve pas, mais c'est un engagement. Voilà, donc voici brièvement ce que je peux vraiment dire. C'était vraiment merveilleux. Aujourd'hui, nous avons une croissance. L'année dernière, ce n'était pas ce nombre-là, mais il y avait plus d'hommes cette fois-ci. Nous bénissons Dieu. C'est ça la croissance au niveau de l'Église.
elle doit croire en nombre et en spiritualité. Nous voulons faire asseoir une église dans le Seigneur, une église de Jésus-Christ, pas une église de prophète Crasso, qui comprenne certaines choses, qui se séparent du péché et qui décide de marcher véritablement avec Jésus. Shalom, que Dieu bénisse.